Mesdames et messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, Amenu Sar TV, émission Le Corona la vie finalier à Kokumbe Tchèbide. Candidat au Temena 600 ans ou ka phase follow la nuit au premier interview avec les invités. Phase Flana, les jurés. Oui. On peut entamer la deuxième phase. Donc, Amina Fazi Flana Damle, je l'ai annoncé en début. Ça consiste à présenter un flash de 2 minutes. La voix. Et tout. Et la candidature, vous pouvez dire. Ou bien, Korotolembado, qu'on a flashé présenté. Aïwa, donc, en tant que blague d'Agin Dalaplé. Donc, pour cette fois-ci, Marie-Tou, avec ta permission, on va appeler les candidates de façon aléatoire. D'accord. Pas l'ordre qui vient de passer tout à l'heure. Ok. Tu as le libre choix d'appeler qui tu veux et ne commence pas par la première jusqu'à la dernière. Et si je laissais ce choix-là en chi, Kadou Farara, Alif Negastresiga. Avec plaisir. Tam ji sana dam nani maimuna e don. Nti dofo. Fanta Yaya Traoré. Fanta jire le lait. Fanta Yaya Traoré. C'est bon, Fanta. Cher juré, Fanta Yaya Traoré. Il est 13h à Bamako et à Tombouctou, fidèles téléspectateurs de M7 TV. Bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Depuis juillet 2024, le Mali fait face à des pluies exceptionnelles, les plus abondantes depuis 1967, entraînant d'importantes inondations dans presque toutes les régions du pays. À ce jour, on dénombre 649 cas d'inondations dans 19 régions, y compris le district de Bamako, ainsi que 3792 cas d'effondrement. Par ailleurs, le procès pour détournement impliquant d'anciens ministres et officiers maliens jugés dans le cadre d'une affaire d'achat d'équipements militaires et d'un avion présidentiel en 2014 sous le régime de l'ancien chef de l'État Feu Ibrahim Boubacar Keïta a été renvoyé. Sindaï. Sur un autre titre reporté en raison de calamités naturelles, la rentrée des classes suscite de nombreux débats. La question qui préoccupe tout le monde est de savoir si elle se déroulera effectivement le 3 novembre prochain. Ensuite, un groupe lié à Al-Qaïda, a revendiqué les attaques contre l'école de gendarmerie et l'aéroport de Bamako. À la suite de ces événements, le président de la transition a tenu une réunion avec les chefs militaires pour réévaluer la stratégie de sécurité. Enfin octobre, mois décidé à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion, a été institué par les autorités maliennes près de 30 ans pour mettre en avant cette valeur humaine qu'est la solidarité. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Et la candidate que je m'en vais inviter à venir présenter son flash de 2 minutes est Assa Diallo. Assa Diallo. C'est bon, ces images sont OK. Elle peut aller, tout est OK du côté de la technique. Parfait. Signature de partenariat entre le Mali et la Russie pour l'exploitation du lithium au Mali. Fidèles téléspectateurs d'M7 TV, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'informations consacré à la production du lithium au Mali.
Dans exactement 2 ans, l'unité de production du lithium sera opérationnelle au Mali. Et cela grâce à la coopération entre 2 pays, le Mali et la Russie. L'information a été révélée par le ministre malien de l'économie et des finances, M. Alousseni Sanou. C'était lors de son intervention à la session consacrée à l'énergie à faible teneur en carbone dans le cadre de la semaine russe en énergie. De l'énergie. À noter que ce partenariat va se nouer à travers l'exploration, l'extraction et le traitement de ce métal jusqu'à une concentration de 6%, a précisé Alousseni Sanou. Et d'ici 7 à 8 ans, le Mali espère faire le raffinage du lithium sur place qui lui permettra, selon le ministre Sanou, de créer ses propres batteries électriques. Ce partenariat sera pour le Mali une occasion d'accéder à des technologies de pointe et de bénéficier de l'expertise russe dans le domaine minier. Un projet ambitieux qui aura des répercussions positives sur l'économie malienne, notamment la création d'emplois, le développement des infrastructures et l'attraction d'investissements étrangers qui sont des leviers pour la croissance, qui sont les leviers de croissance pour le pays. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur M7. Bye, merci. Pas ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, Marietou, oui. Du côté de la technique, oui. Nous allons appeler Awacham pour sa présentation. Et après Awacham, Youma Diallo va se préparer. Ça marche. Espérante d'hospitalité reçoit l'Afrique. Awacham. Hospitalité reçoit l'Afrique. On l'applaudit. Hein, jour de fête. Jour de fête. Jour de fête. C'est quoi? Très heureuse de vous retrouver sur la M7, excusez, je reprends. Très heureuse de vous retrouver sur la M7 RMC en ce samedi 12 octobre 2024, 285e jour de l'année. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue au bulletin d'information. Lutte contre le cancer du sein. Octobre rose symbolise la lutte contre le cancer du sein. Initiée dans les années 1990, la campagne Octobre rose a pour but de sensibiliser le public pour combattre le cancer du sein, d'encourager le dépistage précoce et de soutenir les personnes qui en souffrent. Chaque année, le mois d'octobre est teinté de rose, une teinte symbolique qui incarne l'espoir, la solidarité et la lutte contre le cancer du sein. Affaire Almadi, le fonds au profit des victimes de la CPI remet des réparations collectives à la communauté de Tombouctou. Ce fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale et ses partenaires a été remis en présence des autorités de la ville et à l'ensemble de sa communauté de Tombouctou. Ce fonds constitue une part importante des mesures de la réparation collective. Ce monument est un symbole très important pour la ville de Tombouctou et pour le Mali tout entier. Il est à la fois un lieu de mémoire et de recueillement après les crimes qui ont été commis en 2012. Un mot de sport pour terminer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Football 2025 sont au programme en ce mois d'octobre. 12 groupes de 4 équipes sont en liste pour un total de 48 matchs prévus. Hier, vendredi 11 octobre 2024, les Aigles du Mali ont remporté la victoire d'un but à 0 contre la Guinée-Bissau. C'était là la synthèse de l'actualité avec le concours de l'ensemble de la rédaction. Je vous quitte avec cette pensée. Il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la M7 RMC.
merci beaucoup à Wacham. On va enchaîner. Alors, directement. Marietou. Oui, la voix. Après Awacham, c'est Youma Diallo qui est avec vous. Et après Youma Diallo, nous allons demander à Maïmouna Keïta de se préparer. D'accord. Youma, Youma Diallo, s'il te plaît. Willy Dombo. Willy Dombo. Emma Aisha Tramley, modèle Kouraya. Yakuba, Adama, vas-y. C'est bon. Chers spectateurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'info présenté par Youma Diallo. C'est bon? Un tout petit vas-y. Peu, parce le son en fait, n'est pas bon maintenant. La voix, est-ce que... Marietou, oui. Tu peux voir le micro si c'est ouvert? C'est ouvert seulement, c'est ouvert, oui. Si, si, c'est ouvert. Ouvert. Je vais enlever parce que c'est bon. Attends. Donc c'est ouvert maintenant. Oui, c'est elle, vous m'entendez, c'est bon? Oui, on te reçoit maintenant. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'infos présenté par Youma Diallo. Nous commençons avec interpellation de trois malfaiteurs à Niamakoro. Le commissariat de police de Niamakoro, dirigé par le commissaire principal Boubacar Doumbia, a neutralisé trois individus impliqués dans une agression provenant ainsi des actes criminels dans la localité. Cette opération menée le 2 octobre 2024 fait suite à une enquête de la brigade de recherche. Les suspects ont été interpellés et ont reconnu leurs implications lors des interrogatoires. En météo, inondation à Bamako et prévention météorologique. Le 8 octobre, Bamako a été touché par de fortes pluies, causant des inondations dans plusieurs quartiers et perturbant la circulation. Les services de la protection civile sont intervenus pour dégager les passages bloqués, notamment à la place de l'indépendance en commune 3. Le pont Woyowanko en commune 4 a été submergé, interrompant la circulation. D'autres localités comme Zébala et Djouila ont également enregistré des pluies importantes. La Coordination nationale de gestion des crises et des catastrophes naturelles signale au moins 76 morts et 2600 sinistrés depuis le début de l'hivernage. Mali Météo prévoit la poursuite des fortes pluies jusqu'en novembre et appelle à la vigilance. Et pour finir, opération de vente à prix social à Bamako, le commissariat à la sécurité alimentaire a lancé une opération de vente à prix social pour soutenir 600 ménages vulnérables à Bamako. Avec 100 bénéficiaires par commune, cette initiative propose un kit alimentaire composé de riz, huile, sucre et poudre en lait à 30 000 francs CFA au lieu de 60 000 francs CFA sur le marché afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations des sinistrés. Merci, c'est tout pour ce flash. À la prochaine. Merci beaucoup à la nouvelle maman. On enchaîne directement avec Maïmouna Keïta. Marietou, après Maïmouna Keïta, la dernière candidate à concourir va se présenter et c'est Djeneba Estina. Expulsé.
octobre rose, mois dédié à la prévention, à la sensibilisation et au soutien des personnes touchées par le cancer du sein. Faites-vous dépister et l'on va de votre vie. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce flash d'information. Présentation Maïmouna Keïta. L'actualité est notamment marquée par le report de la rentrée scolaire au titre de l'année 2024. Initialement prévu pour le 1er octobre 2024, décalé d'un mois pour cause des catastrophes naturelles. La rentrée de la date prochaine est le 4 novembre 2024. Toujours dans l'actualité, le bilan est tombé le 10 octobre 2024. 128 écoles occupées par des sinistrés, 167 inondées, 250 effondrées ou endommagées. Ont touché 47 955 ménages affectant un total de 264 648 personnes, dont 73 140 femmes et 117 626 enfants, avec 77 pertes et 148 blessés. Une aide alimentaire d'urgence d'une valeur de 1,724 milliards de francs CFA pour les victimes. Un mot de sport dans ce flash. Au compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali se sont imposés au stade du 26 mars de Bamako face à la Guinée-Bissau sur le score de 1-0. Le Mali du groupe I avec 7 points. Page noire pour boucler ce flash d'information. Décédé le mercredi 9 octobre 2024 à l'âge de 80 ans, l'ancienne première dame Mariam Sissoko, l'épouse du feu général Moussa Traoré, repose désormais à la cimetière d'Amdalaï. Voilà pour tout. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Maïmouna. On l'applaudit encore une fois. Aïtéra Fora Ablasra, merci beaucoup. La dernière candidate à venir nous présenter son flash d'information, la voix. Geneva Estina. Geneva S. Geneva Estina. Aïtéga de Fokuna, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le mois d'octobre, le mois de la solidarité, c'est dans ces cadres que le chef et quelques membres du gouvernement se sont rendus dans la commune 4 à la rencontre de l'homme le plus âgé. Ils se sont entretenus avec lui et lui ont offert quelques cadeaux. Cette année, le rapport médical des candidats lors des recrutements de l'armée a révélé la présence de drogue dans le sang de certains candidats, ce qui a causé l'échec de plus de 2000 candidats lors de ces recrutements. Sur le plan international, le gouvernement camerounais a interdit tout débat médiatique en rapport avec l'état de santé du président de la République, Paul Biya. Rappelons que le président de 91 ans a disparu des radars médiatiques depuis le mois dernier. L'annonce de cette interdiction a été faite dans un communiqué officiel du gouvernement. 30 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de la série de frappes israéliennes sur la ville et le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de Gaza. L'information a été donnée hier vendredi par la défense civile de la ville. Enfin, sport, les Aigles du Mali se sont imposés face à la Guinée-Bissau hier vendredi avec un score de 1-0. Ils se rencontreront le mardi 15 octobre 2024 dans le stade du 24 septembre. Une prochaine victoire des Aigles leur vaudra la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup.
À Geneva, il y a toutes les candidates, chers jurés, Fazi Flabet et Mena. Il est temps maintenant pour vous de délibérer. Alors, Marietou, on va te demander, avec ta permission et la permission des membres du jury, de se lever et de sortir de la salle pour la délibération. D'accord. Di, Fatima, c'est mieux, hein? Gisèle, Issa Kaba, on vous demande de venir. Et d'ici là, Marietou, le plateau est à toi et... Merci beaucoup, la voix. Hé, hey, Ivoire Falenade, c'était pas comme ça au début, c'est quoi? Merci beaucoup. Pendant que le jury se retire pour délibérer, je voudrais faire intervenir nos invités. Chef Antoine, tu es de la boîte. Hein? Oui. Je voudrais que tu nous dises ce que tu penses de l'initiative et comment juges-tu le niveau de nos candidates. Comment tu les trouves? Onga kason ka damne ka ba damne ka bonyona kana dondon ma keme flafuka na blani ma worla bi ba ka fo ni foli kaka ma dira ka fo minu mbina mosi mabbi be wulla malde wulla aywa angoni mi anyala sisa abi ma jigifa sabu amena baraina na nya ka fo do ba fe ka do ala ulu red dunga ni ambu fuku wala ni mono sabu a rubu dala kuma mina. Ah, nunu chere la ami do ku yi. Ami do la pa na manugo ya de. Amanugo ya. Anyi woshi ko chamange. Yero. Nere be micro ta domi. Oh. Afrane ka micro ta domi radio barala. Mhm. Dugu jira 6h du matin ne pou me kala de lengo clear kana bo. Njat ke ko djufu. Ngabi abo chukola. Oh. Ni ay bi ka fo camera o alhamdulillah bi ana micro benyena. Demsanu akaduye e fi ibaye ka fo. Nazaroba fotobna anguma bula a kadu ya galabu bula kosebe mbora ka mie sabu majikifa ay wa betsegata on anda malaka fo grese tribunu mona bo ala ay wa angana to nyom lo renouvela ya kajeka baraka obijanya kosebe kadnere kabi u ka fin damne kuma ndi laka session doni kuguna kana u kochi doni nyaaye ka fo nyimnu funa ye a jaranye wandale malaka fo funa ana jeka baranyu make nyofe ya nga barano wonte amu fo moy barano wonte kuy akuka cha o nga nimbebala manfi bi la don doni dafale ya benme ala drone la abi majigi fa nyimi wa ma saba mi fana bina to ambulo ya namu do ke ali bi anga tika to nyombulo minu fana maye ala ma bi ne aywa ala bi no ga wore ku do no ala sona mo d'accord Aho. merci beaucoup chef Antoine ay tega for Antoine Kuna s'il vous plaît. Monsieur Konaté, c'est bon, ça marche. Oui. Ça va. Oui, ça va. Et bismillah kokura. Ah. Angoni et ayet monsieur Konaté. Ako gara bare. Oui, ça va. Abi nyanabo. Abi nyanabo. Inshallah. Donc il fait né ibora ka nga candidat souye. Oui. Ibe yano kun kerenkereni ni kama mesana nga nda dola. Mm. Il fait né ka doni fo anye ni initiative ka enye ba la tukudi. Bon, vraiment initiative ngai. Avant même la quête de l'emploi, je dirais que c'est vraiment, ça nous donne l'envie de dire que vraiment le renouveau, c'est une école. Mm-hmm. Vraiment, c'est une école, je sais que nous avons encadré le concours qu'on a fait à Sébima. Oui. C'est comme une année d'études supplémentaires. Mm-hmm. Je dirais ce qu'on a vraiment vu, la pratique qu'on a vu. Et ça donne vraiment de l'espoir pour l'avenir. Oui. On a vu que, bon, question que nous posera
questions posées, c'était des questions vraiment claires, simples. Ambiguïté tara, la question elle est bien présentée. Il faut la flasher qu'on a. Veille qu'à présentation qui est sans stress, sans panique. Oui. Donc on remercie vraiment Renouveau TV, les encadreurs. D'accord. Et aussi les candidates. Oui. Bon, il y a pas ma coupe mon savara. Mais vraiment, on peut pas mériter quoi. On peut pas mériter, y a vraiment, amour bella de l'info. D'accord. Vraiment. Merci beaucoup. Je voudrais vous inviter à me rejoindre, Inika Moroda, Madame Anikana, pour qu'on puisse parler. Oui, venez. Ouais. Venez devant. Venez. Mettez-vous là. Donc, on a candidat ou chamaya pour un entretien qu'on a là. N'y a pas de casquette d'eau. Voilà. Maintenant, je vous ressemble plus. Hein. C'est bon? Donc, un candidat qui a fait monsieur nous connaître, qui a fait géographie, il est CAD Malila. Et puis, en bien, un plateau s'en fait dans le cadre de l'organisation de la troisième édition de votre caravane qui est sur le changement climatique. Donc, vous réclamez la justice climat. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous, pays appauvris, sommes victimes des effets néfastes du changement climatique, tels que les inondations auxquelles on fait face maintenant, les sécheresses, les maladies qu'on ne connaissait pas par le passé. Nous sommes victimes, mais nous ne sommes pas responsables des causes de ce qui provoque ces changements climatiques. Ce qui provoque ces changements climatiques se trouve ailleurs. Donc, c'est les grandes industries, c'est les grandes usines qui polluent l'atmosphère, qui polluent l'air, qui polluent tout et qui perturbent le cycle normal des choses. Et nous, nous sommes loin d'être à la place de ces gens. Ça, c'est eux qui provoquent. Mais c'est nous qui subissons les conséquences. Donc, nous, nous les interpellons à réparer les dégâts qu'ils produisent, à payer la pollution dont ils sont responsables. C'est pourquoi nous sommes mobilisés entre société civile, c'est pas que la société civile, c'est les autorités politiques administratives, c'est les communautés rurales et urbaines, c'est les chefs coutumiers, c'est vraiment le reste, l'ensemble des forces vives de l'Afrique, des pays qui sont vraiment victimes. Nous, on se mobilise ensemble pour être une force unique et interpeller avec force ces grands pollueurs qui nous font chaque année des fausses promesses et qui ne cessent de polluer davantage. Et nous subissons davantage les conséquences. C'est pourquoi nous les interpellons vraiment à polluer, à payer les prix de leur pollution. Vous voulez que le climat soit guéri? Voilà. Nous voulons que le climat soit guéri. D'accord. Que le climat soit stabilisé. Mm-hmm. Moins d'inondations, oui. Moins de sécheresses, moins de maladies. Et moins de famine. D'accord. Nous voulons un monde vraiment paisible. Donc, c'est la troisième édition de la caravane. Oui, c'est la troisième édition. La première édition, c'était en 2022, en prélude de la COP27. D'accord. La deuxième, la COP27 qui s'est tenue en Égypte. La deuxième édition, c'était en 2023. D'accord. Ça, c'était la COP qui s'est tenue à Dubaï. Et cette année, c'est en prélude de la COP29 qui doit se tenir à Azerbaïdjan. D'accord. Dont la capitale, c'est Bakou. Donc, M. Konaté, 3 ans que vous vous battez, que vous revendiquez. Est-ce que vos revendications-là ont été prises en compte? Est-ce qu'elles sont prises en compte? Les revendications, c'est à beaucoup de niveaux. D'abord, c'est au niveau communautaire, au niveau local, au niveau pays et au niveau international. C'est vrai que au niveau international, je dirais au niveau des grands pollueurs, c'est vraiment un peu très très compliqué. Pour être franc, c'est des fausses promesses, c'est des milliards de francs CFA, des milliards en dollars même, qui sont promis, mais qui ne sont jamais mobilisés. Et pourtant, à chaque COP, le gouvernement est représenté. Oui, le gouvernement est représenté avec pas seulement même le gouvernement. Y a-t-il une collaboration entre votre association et peut-être le ministère de l'Environnement? Oui, nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Environnement. Nous sommes ensemble parce que nous constituons un bloc unique, parce que nous allons rencontrer les communautés
que ce soit urbaine et, ou rurale, nous allons regrouper, formuler des recommandations fortes que nous allons apporter auprès du ministre de l'Environnement en tant que représentant de l'État et qui, à son tour, va amener ses revendications auprès des grands négociateurs lors de la COP 29. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc la caravane, c'est du 15 au 17? Oui, la caravane, c'est du 15 au 17. J'imagine qu'il y a octobre. Oui, une panoplie d'activités qui est prévue. Oui, il y a plein d'activités qui sont prévues. Il y a d'abord les conférences populaires au niveau des communautés, auprès des communautés rurales et urbaines. Il y a des visites d'échange d'expérience pour se renforcer d'abord entre communautés en ce qui concerne des stratégies d'adaptation face aux effets du changement climatique. Les stratégies d'atténuation, on peut par exemple visiter des forêts classés, visiter des arboricums, visiter des champs d'agroécologie qui sont vraiment des stratégies d'adaptation. D'accord. Il y a également des marches populaires pour remettre les revendications de la caravane aux plus hautes autorités. Okay. Il y a même des activités culturelles, des D'accord. activités sportives. Il y a aussi les médias oui. qui sont vraiment la base de cette caravane. On travaille beaucoup avec les médias, l'animation au niveau des radios, des télévisions, les presses écrites et privées. Chacun, dans sa spécialité, fait ce qu'il peut pour vraiment apporter sa contribution à la justice climatique. D'accord. Donc, on a envie de former, comme d'habitude, un bloc unique pour soutenir nos États lors de la COP 29. D'accord. Ibeklak Adoni Fogomanankana, pour peut-être lancer un appel à toute la population, mais avant, je voudrais que Egamoro Fenega réagisse, peut-être se présenter comme association d'eau. J'imagine que ce sont des membres. Posso Munumbula. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je réponds au nom de Cheikh Sidel Mokhtar Diko. Je suis du PIG Global Platform de la région de Tombouctou. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde. Je suis Diallo Aruna, l'association malienne pour la protection des personnes atteintes d'alnu. Je suis chargé de faire la finance de cette organisation. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Moi, c'est Mme Sahara Madina Sahara. Je représente la plateforme Vert des femmes de la Grande Muraille Verte Mali. D'accord. Dont je suis la présidente. Merci. Madame la présidente, merci d'être parmi nous. Bonjour. Moi, c'est Nouhom Konaté. Je représente la CAD Mali. La CAD Mali, c'est la coalition des alternatives africaines d'aide et développement. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Philly Ousmane Kanouté. Je suis du réseau Climat Jeunesse Mali. Merci beaucoup. Merci. Beni Nyankuma, Netoro Bukari Omar Maigaye, Ne GP Global Platform Mali Tondendoye, Bon Koya. Donc, Global Platform Mali Ali Action Aid, Moua Réseau Dodé, Ame Djamana Tchamana Djiangono, Ame Djamana Pisawila, Ani Global Réseau Nifana, Anyon Biwar de Vétiangona Laba. Donc, Ame Barake Teranga, Inafo, Ana Platform Ali Fanabe, ou les membres du réseau, Ame Toura Nyon Koumé, Ame Idu Echange Kwa. D'accord. Nabe besi msa dofra mbalmake mufo. Vas-y. Alors, inafo caravan ni angacha inafo ayi mwadamata ni organisation yi. Organisation mbe bumogodoro, angacha ni biwara yi, uye bumogodoro yi. Abeke region fion fion na iwa soro, organisation mbe angacha ni tan uwe mpisa bayi. Donc, ubebega hakili na kili ndike. Abebara widamine le 15. Lancement mbeke ya mbumogodi. Donc, uwati kili na iwa soro, region, capital regional fana bela. Ufana nuga gouverneur, nuga milu, organisation nuga yora bela. Lancement n'a pas synchronisé. Ni à chien follow de Malla Ake avait synchronisé Watikelina parce qu'en bas et cafoni activité week très jurement à la fois lancement avec Bongodore. Mais Nina a dit la cafo, il faut qu'Ake lancement synchronisé. Donc Ambekake Bongoyatu Vasro, Kaikao, Kulikuru, Sebu, Blabuni, Vrambu Take, donc ouvert ensuite en direct, enfin à vous en direct. Donc Baro et Clé Sabari, Clé follow ou lancement, Clé Flana ou Caravan et Redoui, Amesitimu Kayola. Résolu nous faisons au final communauté là, kata ou hakina nyinga, ina fo ouita sida ou la, kafo ah watira ou ma ke, kolo kolo du menu asia ou ma, awe hakina na du mene
kangake pour que an sera atemen nuka ou hakil non ta donc abe faranyo ak document kedi ina fa ya fojum donc cérémonie de clôture no beke parc national là donc projet de déclaration obédit ka di autorité moi donc depuis si ça yana les attaques ne beka et plateforme en ligne bambolo ame bebele akota abonena ka une pétition fandos ke akota o signé ka yera ka fo a mali kono antegatoko et climat ko là quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me nomme Wassa Diara. Je suis secrétaire chargée de l'organisation et de la mobilisation au sein de l'AND, l'association Nuaudu. Je suis également membre de la JP Platform. Donc, je pense que tout a été dit. Tout ce que je peux ajouter, c'est que Nuhum a dit. En fait, les pays qui causent principalement le changement climatique, je vais citer les pays, nous avons Amérique, la Chine et l'Union européenne. Ils sont les principales qui causent le changement climatique. Donc, c'est à eux de réparer ou nous aider ou bien à faire des actions pour que nous pouvons quand même contribuer à des actions qui peuvent trouver une solution pour le changement climatique. Oui. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Idjara. Monsieur, oui. D'accord, moi, je voulais lancer un appel à toute la jeunesse malienne de se mobiliser pour lutter contre les effets climatiques. Et je dirais ensemble pour la justice climatique. Merci beaucoup. Ensemble pour la justice climatique. Ensemble pour la justice climatique. Ne chifinye wa nye mousso e fana. Nye demse nye nga obenaka nte gato ko changement climatique koyena. Mba au fana invite au mounou. Nibado au shite nyamambo dinga kono. Me au bedo yo mounou wake au funapto lu sensibilize ko se des choses qui ne se font vraiment pas. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, on les applaudit. Aïté gara Fukuna, s'il vous plaît. Monsieur Fofana, appel du Menebe Bouloka lancé à l'endroit de toute la population Caravani au Kumkonnal. En Bamanaka aussi. Bamanaka, mais appel me lancé. Vous voyez qu'il faut un minute flagne corote, un caravante. Malika caravane, Farafina caravane, Wati Yelema, Kololobe, Chamana Fen Fenka, Beka caravane, Ambeka Wulika, Anfanganke Kelini, Kake Kulu Kelini. Ka minu beka ni wati yelema kololo aye chamana minu sitete minu cheni kala bawe ambeka fanga ka kelin ka pression ke okan pour que obeka cheni mike en kunya wati yelema beka cheni minka uko ka cheni kla wega promesi minu ta sans sans promesi weta ka fo ameni miliaro blagana ateyi fouti donc vraiment amewele bla pela tenema Mali Toronto, Farafina Bello, Kololobe, Chamana Fenva, Ambeka Kekulu Kili, Kawulika Joke, Kapresio Keoka. Anga Chamano Fanakono, Anga Chamano Fanae, Ferosiki Senga, Purika Wati Elema, Kololoke, Amba Fofana, Okanye Folkiani. Okanye Folkiani, Ofanae, Feminu Seme, Document Ofanae, Engagement Minuta, Oyanga Chamano Ere, Oy Engagement Minuta Okawale. Uka walea. Ama fuanga sigidala mugo fanai, anga kechugu yelema, anga waleota, walea mimbatu, wati yelema kololobi seka, doya anka nchugu mino. To ambo wele kanda vrema bela jelena. Mi an ereka jamana nyema uye laidu minutani, olu eroyo lutime. Obe andeme kosobe kata international tafine. Ufana wa majai. D'accord. O meja ufana, o meja ujoroka bu, pase jiena meja ifosi folo lebi. Frema amba ayini am meja ufe, haka andeme, ampe kungulu. Frema meja uko uka parake kusebe, pase meja influensi kapu ni fembe ibi. Don ni meja ufana e influensi buye kusebe. Anji kiwa ukon. Renuvu ya ta damne kabani, ki au ya nga plato safe ya. Ame, ama ufo plato ya. Ka plato yon wanchi amansigi, plato yon kofe vrema sa kontini.
Clé ça va, nous c'est vrai que les flanings, clé ça va, mais folé nous. C'est une action pointue dans trois jours, mais vraiment la justice climatique c'est une action de tous les jours. Dombe para de dos. D'accord. Vraiment clé flanings, action ponctuelle, mais c'est trois jours où oui, cadre qu'on cadre vraiment pour la COP 29. D'accord. Mais la justice climatique, le combat pour la justice climatique, c'est un engagement de tous les jours. Donc ensemble pour la justice climatique. Ensemble pour la justice climatique. Merci beaucoup, merci. On les applaudit, merci. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Baraba. Tegere fo anga mam du juru kuna utay man ko jibe karavan nadi abala ali ba abala warbala warbala ni san tege ni san malabi ni san malabi ni shira shirin go ko D'accord, merci beaucoup. Les membres du jury. Niko Bella Jelena Bena, ma bédi. D'accord, avant que Fengana, obstacle quoi, appréciation sur Fazi Minou Temena Sissano, candidature Nounou Bella. Donc, avant appréciation qui en attendant résultat final Ghana. Moi, dans l'ensemble, je tiens à féliciter quand même l'initiative. Fengi Mamba, c'est une première. C'est vrai que donc les deux Kongourou ni donc Kongourou be kanga jamana kono meka ni nyokona initiative ta ni a follow ce qui fait que Kwaku ni fin be kala be munu famu direction tokola ka promet ka fo ni nyokona were be ke abe améliorer ka temeninka abe ide were outi minte ni chier am se ka munu ke ka candidat ou fenen faut faire on fait participer à la qualité Mbala. C'est un homme de rigueur qui parle de pas d'amener na nyafo do bala munu be ni do ni teo. Je sais que ou be placé sur le monde des médias qu'on a parce que ne fenen ba qu'on a depuis 2008 al ni marakatia ni taka korone ta ni Antoine nous mais do ba qu'on a munu je sais que avenir boula métier qu'on a car Jiri Mourofo, direction sera comme Romounou Soro, c'est le meilleur des meilleurs. Mais à Kling la Belle à Gelendon. Jamana Ngono, peut-être que Chifina Kaukachaya, non, mais Ambe Jamana Ngono, fin on fait Mamou de Jiri la fin, ou Bé Moko et Mounou, ou Yuka prévu que Jamana Kono, donc ou bien à Jabi Mounou dit. Je sais qu'avec Djabi Nimoye, Mouamounou Minata, et renouveau na produit Nimonsoro, Nena Kouye Oye, Nikona, et renouveau Kaseka Mouasaba Yanamasoro, Ame émission Dimounouma, Mounou ni Admisate Boala. Donc vraiment, Mouamena Gagna, on va féliciter d'avance, Kafoye à Toubi Yanaku, ou bonne chance, Kaseka Barasoro Yorowera, Halni Yorowera Fenete, ni renouveau Fenem Mouasera Barakela Yorowera, ou Espérance Mouasera, peut-être que sans vrai, ou Pseka Natouni Kanou Gardigani Nouvena Renouveau. C'est vrai. Merci beaucoup, Issa Kaba, merci. Gisèle. Oui. Moi, tout ce que je peux dire, c'est déjà dire un grand merci au groupe Renouveau pour avoir déjà pensé à moi et m'associer à ce projet qui je trouve très, très innovant, en fait. Parce que Issa et Bora Kamin Fossi Sanno, Téléka, idée Soroka, Foko, bon, maintenant, on va recruter pour que vous présentez les télé-sola. Mais nous former
pour que u ka se ka u sen do métier konona na parce que dem seni nu chama mena teme sisan no ya kala do ya kala nke do ma kala nke mais al munu yere ya kala nke u ye experience pratique mi soroni émission konona na ça va déjà les aider à débuter de manière beaucoup plus professionnelle. Donc ça c'est déjà un grand bon pour le groupe Renouveau d'avoir pensé à mettre cette émission sur place et aussi de nous avoir invités à participer à ça. On a vu les candidats évoluer depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Ils ont eu plusieurs exercices. Ils ont été coachés. Exercice où Kera pratiquerait là. Ils sont venus présenter ce qu'ils ont appris et où notera critique chaman Kera, suggestion chaman Kerouye. Mais elles s'en sont servies pour finalement donner le meilleur d'elles-mêmes jusqu'ici. Donc, félicitations aux candidates aussi. Ils étaient 20 parce qu'il y avait un homme dans la compétition. Oui. Et finalement, sur 20, il n'y avait qu'un seul homme. On va dire que les femmes se sont vraiment battues. On voit à quel point elles se sont impliquées dans ce projet et à quel point elles étaient à la hauteur également. Parce que le nombre même indique le fait que, sélection Kononana, elles se sont montrées vraiment à la hauteur. Donc, on peut les féliciter pour ça et applaudir pour les dames. On les applaudit. Et à la finale, elles sont encore 6 dames. Et ce que je disais depuis le début de l'émission, c'est que peu importe l'issue, gagnant de rendez-vous, ni activité, ni aventure, ni konanana. Mm-hmm. Il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Que ou y ait Barain Soro, ou y ait, comment on appelle, qu'il l'ait ou pas, ou y ait expérience Soro, ou y ait pratique de Soro Baraina, et ils ont appris certaines choses à travers les coachings et à travers les conseils des membres de jury. Et j'espère que ça va leur servir pour un futur beaucoup plus rentable. Oui. Merci. Merci beaucoup. Fadima. Le coq de la basse-cour, hein. En tout cas. Merci beaucoup, Marietto, de me donner la parole. Merci à mes co-juges, on va dire. Merci beaucoup pour leur professionnalisme, pour leur engagement et surtout pour les conseils qui ont été prodigués aux candidates. Parce que Djamana en réalité, c'est pas facile du tout. Ni imake mwere mounja jolindo très bien, iti sekake amanoro. Donc rien que pour avoir l'audace de se présenter à ce concours-là, moi j'aimerais, s'il vous plaît, aratagere bafo anga candidat nunku. Parce que elles se sont soumises à nos critiques. Ça, c'est pas facile. Il faut avoir de l'humilité pour ça. Et vraiment, c'est quelque chose que je salue très, très fort. Unité ou la humilité là. Et merci pour avoir accepté d'apprendre. Moi, je n'ai pas la carrière que Kaba a. J'ai une toute petite carrière, certainement. Mais j'ai aussi appris. Et j'espère avoir transmis quelque chose à chacune d'entre elles. Je félicite les 3 qui vont signer leur contrat tout à l'heure avec Renouveau et j'exhorte les 3 autres qui n'ont pas été retenus de redoubler d'efforts. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la vie et ce n'est certainement pas une fermeture des portes de Renouveau pour elles. Voilà, donc bienvenue à toutes les 6 à Renouveau en réalité. Merci. C'est cela. Merci beaucoup Fadima. Merci beaucoup. Et bon, donc c'est ça, mais le nouveau groupe Amboufou, voilà, il m'a donné une initiative telle là. Normalement, après, je trouve à Kéan pour soutenir ce projet. Parce qu'il va contribuer à l'emploi des jeunes. Oui, puis le pari a mis au fouli que le conseil. A mon chantier de la moune, le hakina n'a pas de carte à Kanyeshi, Demsenouma. A vous fou la conseil. En plus, Demsenou nous fait courage sur le canal ou toi, c'est qu'à la paranini, qu'à son, qu'à tigre parana, et à torona, trigitrona, mounouka, bella d'ilinku. Parce que paradigue fait le amanoro. Et au goum qu'on a là, ou lui est d'odon. On fait des moulins là, quand on se dit qu'on a noté, on a dit qu'on a dit qu'on a fait. Fait qu'il y a un peu de temps, on a dit qu'on a dit qu'on a. Donc, ça a été un échange entre nous. Donc, on a fait un peu de temps.
et munu menata am do ke ya rabbi ala ku bulum me baraina ala ka nye ka di uma ala ka ke simye ski barai amin o munu fene tina tanina ma fo garde ke wi garde ke sura ka ba parce que le fait même qu'on a c'est faux final là wi garde et munu me final là u be ka donia e kelende seulement garde ke fitin dro de na u bonyo na donc munu fene tina ta akana kunyuna ko uka fuariado fuariate wajibi reni chaku ya fudokata ka dobla mena munu tunata mfune bese umona ta jien yoro yoro la bon jien ka bombe umona ta mali fao fona ame domina e kopi kubita para yini ni sektor konna la vi experience ni soro mwa mangate kuchi donc on va faire la coup du courage ma kagele surtout ma la ma kagele katema ma bela jirenga et ala ka benya kadama amina ya rab merci beaucoup merci beaucoup merci au fenebi alors le jury est prêt c'est nous bon? Allons venir on vous attend alors voilà tout est prêt délibération kerakaban il faut appeler les candidates délibération kerakaban. D'accord. Donc, candidature ou bien, avec délibération qui est 600. À toi, Boulou Mariam. D'accord. Bonsoir. Au Noula. Au Benitié. Bita Koni à Djanyara na Bia Kunche Doui. Au Benitié. Membre du jury. A bi koni koni ka kuma otoro la a benaw ma a bi yamara dia merci beaucoup donji bara bori bura na na dinema merci beaucoup merci donc coach Mariam et ben notou di minou m'a retenu et beau fort donc ni minou retenina on va appeler l'administrateur général du groupe Renouveau kana a attesté ka notifié ou yé ka foko ou bina barake groupe Renouveau la mon retenina ou ka contrairement tege kono ka bab se ka tege refo donc au contrat bon tege kono ka ban c'est déjà bon parce que quand au délibération na contrat tout se benani bek lingling toy ma mon ma retenu luta farala ka wala ma sabam nu sugantira luta flan tege kono ka ban donc je commence tabibora ka ban donc ce que je vais dire c'est que le jury a donné les notes oui. Ça a été donné sur 10, chaque présentation a été notée, il y a eu la présentation du débat avec les 6 candidates, ensuite il y a eu la présentation du flash d'information également avec les 6 candidates, donc chaque candidate a été notée sur 10. Issa Kaba, j'ai assez de papier en main, tu vas m'aider. Alors, je commencerai par la dernière présentation que vous aviez faite. C'était le flash d'information. Et le flash d'information, chaque jury a noté la présentation sur 10. Et on a combiné les notes de chaque jury, on l'a divisé par 4, qui donne la note sur 10. Et dans la présentation de du flash d'information, celle qui arrive en tête, c'est Hawa Cham avec 7,87. En deuxième position, celle qui arrive, c'est Youma Diallo avec 6/10. En
troisième position, la candidate qui arrive, c'est Fanta Yaya Traoré avec 4,87. En quatrième position, Fanta, il faut juste... voilà, venez par là. Je vais venir à côté de vous, Antoine. D'accord. Non, restez, c'est bon. En quatrième position, c'est Maïmouna Keïta avec 4,75. En cinquième position, c'est Assa Diallo avec 3,87. J'allais oublier, c'est pas par ordre d'arrivée, je le dis bien. C'est juste comme ça, de façon aléatoire, qu'on a donné. Mais la note finale donne qui est arrivé en premier, qui est arrivé en dernière position. D'accord. D'accord. Alors, Djenaba Keïta en flash d'information, Djenaba Estina, excusez-moi, a récolté la note de 6,25 en présentation de flash d'information. Alors, ça, c'était la présentation du flash d'information. On vient maintenant à l'interview ou le débat réalisé avec les deux invités que vous avez fait. Vous avez commencé la journée par ça. Et dans cette note, je commencerai toujours. Assa Diallo a récolté 5,37 en interview. Maïmouna Keïta a récolté 4,87 en interview. Fanta Yaya Traoré a récolté 5,50 en interview. Youma Diallo a récolté 6/10 en interview. Hawa Cham a récolté 6,87 en interview. Et je n'ai pas donné la note de qui? Tina, c'est encore toi? D'accord. Stresse pas, ta note est toujours là. Et en technique d'interview, elle a récolté 7,5. Et ça, c'est la note donnée par les jurys. Par le jury, je vous ai dit que chaque jury a noté sur 10 et on a récolté le point divisé par 4 et c'est cette note qu'on vient de donner en présentation de flash et en interview que vous aviez réalisé. Et là, je viens maintenant par ordre d'arrivée. Vous pouvez reculer un peu. Reculer un peu. Voilà. Alors, interview, on fait comment? Est-ce qu'on donne les trois directement ou on fait comment? De la troisième combine. À la première. Markaché Dao, on t'appelle ici. L'administrateur du groupe Renouveau. Vous permettrez en tout cas que je remercie alors ces dames et ces messieurs pour le travail abattu depuis des mois. Hein, franchement, le résultat qu'ils m'ont proclamé aujourd'hui est un travail scientifique. Ça, j'avoue, je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Pour le travail remarquable. Je ne vais pas les présenter un à un, mais juste leur dire qu'on est comblé. Le groupe Renouveau est comblé du travail qu'ils ont abattu pendant des mois. Félicitations et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci, merci. D'annoncer la bonne nouvelle avant de délivrer. Allez-y, Mariam. Parce que Markaché m'a dit tout à l'heure dans les coulisses que les personnes qui ne seront pas retenues ne seront pas délaissées. Bien sûr. Vous pouvez expliquer? Exactement. Alors, nous avons ici 6 finalistes, toutes en tout cas pétries de talent.
Mais puisqu'il s'agit de sélectionner trois, de retenir trois directement, ce qui voudrait dire que les trois autres vont rester membres de la grande famille Renouveau, tel que Plaisir l'a expliqué. Ça veut dire quoi? Elles vont rester dans notre répertoire pour au cas où elles seront sur la liste d'attente. C'est ça la bonne nouvelle déjà, les trois. Elles ne seront pas retenues. Alors, venons-en au clou de l'événement, le plat de résistance, le moment tant attendu. C'est stressant tout ça. J'avoue que celles qui vont être ou qui vont être retenues peuvent se targuer d'avoir mérité un travail que tout le monde, dont tout le monde a assisté au processus. C'est le plus important. Je ne cracherai pas sur les autres concours, mais je voudrais en tout cas dire que le monde entier, l'opinion nationale et internationale a été témoin de votre sélection, ce qui peut être un motif de fierté pour vous dans votre jeune carrière que vous vous apprêtez à entamer. Applaudissez pour vous. Mariam, sans plus tarder, je voudrais saluer cette assistance pour le temps accordé et également la féliciter également d'avoir peut-être donné des appréciations, mais qui ne compte pas. Ce qui compte, ça c'est le résultat des membres du jury. Oui. Donc on peut en tout cas les applaudir aussi. Voilà. Merci. Alors, je crois que les résultats sont là-bas. Non, les résultats sont en main. Non, la notification. La notification, elle est déjà en main. Les contrats, comme je l'ai dit, sont déjà prêts. Ah, okay. Pour finir à être signés et amenés à la maison. Je ne voudrais pas tout seul prendre cette lourde responsabilité d'être gravé dans la mémoire d'être celles qui ne seront pas directement retenues. Et aussi ne pas être ravir la vedette de celles qui vont être ravir la vedette sur ces courageux membres du jury. Donc, raison pour laquelle je voudrais me faire assister par celui ou celle que vous aurez bon, bien voulu. Moi, on va partager la part en plusieurs. Ah. On va demander, je vais m'approcher, que quelqu'un nous donne le nom de celle qui est arrivée en troisième position. En troisième position. Voilà. Merci. Quelqu'un pour en troisième position. Non, en bas. La dernière fiche. Voilà. Vérifie bien, non, le contenu c'est pas ça. Ne sera pas le contenu. Dieu merci. Dieu merci. Gisèle, par là. Gisèle, vous allez vérifier avant de revérifier avant de. C'est bien cela. Mm-hmm. Vous avez les. Et avec la note de la personne. Face au candidat. D'accord. C'est bon. En troisième position. Gisèle, tu peux faire face à la caméra, s'il te plaît. Avec une note de 6 sur 10, nous avons le plaisir d'annoncer Madame Nyuma Diallo. Félicitations. On l'applaudit à Thierry Poisson. L'administration générale du groupe Renouveau lui notifie. Alors, ce qui est écrit sur la notification, je pense que ce n'est pas un contrat directement ici, donc qui est frappé par le sceau de secret professionnel. Oui. Ça n'est pas un. Raison pour laquelle on peut se permettre de vous livrer le contenu. Exactement. Voilà, c'est un certificat, une notification de recrutement. Ça veut dire que déjà,
elle est membre du groupe Renouveau. À Madame Youma Diallo, nous avons le plaisir de vous informer que suite à vos brillants résultats obtenus à notre émission de recrutement dénommée Star TV, vous êtes admise comme animatrice aspirante au sein du groupe Renouveau. Un stage probatoire de 2 mois vous est accordé. Il pourra aboutir à un contrat d'embauche en cas d'essai concluant. Félicitations et bonne suite dans votre carrière d'animatrice. Félicitations à Youma Diallo. Bienvenue dans la famille. Félicitations avant que vous n'annonciez. Vas-y. Elle peut se mettre là, juste à côté du monsieur. Je voudrais, avec votre permission, chef, proposer à ce que Angayouma a parcours dans les projets et publics qui fait des cahiers. Depuis l'émission, il a mené Faustis, tout ce qu'elle a eu à faire. Bara Minoukera, je ne sais pas si la partie technique est OK pour que Angayouma dans les projets qui parcours là, que les uns et les autres puissent aussi constater à quel point où est Baraké. Tu penses effrayer qui même? Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, il ressemble beaucoup plus à Joël. Il ressemble beaucoup plus à Joël de Bachelor, mais en plus, qu'il y est plus élancé, on va dire. Bref, tu nous effrayes pas. Au tout début, j'étais un peu stressée, mais au fur et à mesure, avec l'acclamation de la foule et l'ambiance aussi qui y régnait, donc je me suis vraiment sentie à l'aise et relaxe. Donc, comme vous nous avez fait savoir que c'est la famille, du coup, je me suis sentie comme en famille. Non, je ne vois pas du tout. Il n'y en a pas. Personne ne peut, je ne crains personne. Même le bachelor, il ne m'effraie pas. Si, je suis très satisfaite de mon groupe parce qu'elle ne m'effraie pas non plus. Et je sais que ce sont des candidates à la hauteur, mais elles ne me font pas peur, pas du tout. Merci beaucoup, on l'applaudit. Tu vois, on t'avait dit que c'était une famille, non? Et disons, mais en tu fais partie de cette famille. Mariam. Alors, en deuxième position, honneur à une dame encore, on remet l'affiche à... Oh. Alors, dis, tu as le nom, je vérifie si c'est la bonne... C'est ça. Comme le fois, c'est ça. En blanc, bien sûr, en clé. D'accord, merci beaucoup. Quelle est la deuxième candidate qui va rejoindre la grande famille Renouveau? Et Djeneba S. Tina. Djeneba S. Tina. Djeneba S. Tina est avec nous. Elle est désormais membre de notre famille. Félicitations à Djeneba. Et le chef donc qui remet la notification. À Djeneba Estina. Voilà, donc on va rappeler la même formule. Alors, à Madame Djeneba Estina, le groupe Renouveau a le plaisir de vous informer que suite à vos brillants résultats obtenus à notre émission de recrutement dénommée Star TV, vous êtes admise comme animatrice aspirante au sein du groupe Renouveau. Un stage probatoire de 2 mois vous est accordé. Il pourra aboutir à un contrat d'embauche en cas d'essai concluant. Félicitations et bonne suite dans votre carrière d'animatrice. Félicitations à Djeneba. Nous allons aussi voir Djeneba quelques images. Djeneba est très émotive. Oh là là, l'émotion est au rendez-vous. Félicitations, ne pleure on pas. On peut l'applaudir au moins ici. Pour ce résultat. C'est la famille, hein?
c'est la famille. Je crois que le porte-parole de la famille dans cette équipe du jury, Issa Kaba, aura l'occasion en tout cas de lui mettre les pieds dans l'étrier. Pleure pas. Voilà, applaudissez pour Geneva encore une fois. La régie, est-ce que vous pouvez aussi projeter quelques images de Geneva, comme ce qu'on a fait Comme je l'avais déjà dit, je suis Mademoiselle Tina Geneva. Je suis vraiment contente d'être parmi les candidats aujourd'hui. Et je souhaite vraiment continuer à développer mes compétences au sein d'une équipe dynamique et stimulante. Voilà, merci beaucoup. Félicitations à Geneva et bienvenue au sein du groupe Renouveau. Alors, la première place. Je me souviens de cette formule. La première personne, celle qui est arrivée en tête, a dit une fois cette phrase ici. J'ai pas voulu être dans le même groupe qu'une amie qui vient d'être retenue. Ok. Elle l'a dit ici. Donc, les deux se sont ont eu la prouesse de sortir en tête de leur groupe et la chance de se hisser en finale. Et la chance de ne s'être pas rencontrés, hein, parce que c'était pas donné. C'était vraiment voilà, pas c'était donné. Des cracks toutes les deux, hein. Voilà. Et elles se retrouvent toutes les deux dans la... On va laisser le soin à Fadima de donner le nom de celle qui est arrivée en tête, qui va rejoindre le groupe Renouveau. Alors, merci infiniment pour cet honneur que vous me faites, chers collègues. Merci au groupe Renouveau. Félicitations à chacune d'entre vous. Et merci aussi au public qui était là du début jusqu'à aujourd'hui la fin. Merci à tous les invités qui ont été reçus sur ce plateau-là, les artistes, tout le monde, la régie, vraiment tout le monde. Merci beaucoup à Marcatier Dao de m'avoir personnellement invité à faire partie de cette illustre jury. Voilà. Donc, à la première place, avec une note de... Ah, ok. Bon. Avec une note de 7,37, j'appelle Madame Hawa Cham. Renouveau. On va lui demander de retenir les larmes. Hein. C'est pas facile, mais j'avoue vraiment que c'est un travail mérité, un résultat superbe. 7,87 sur 10. 7,37 sur 10. J'avoue vraiment que c'est fabuleux. Ouais. Applaudissez encore une fois. Félicitations à Awacham. Awacham, Madame Awacham, on va l'appeler comme ça. Oui. Voilà, nous avons le plaisir de vous informer que suite à vos brillants, éloquents résultats obtenus à notre émission de recrutement dénommée Star TV, vous êtes admise comme animatrice aspirante au sein du groupe Renouveau. Un stage probatoire de 2 mois vous est accordé. Il pourrait aboutir à un contrat d'embauche en cas d'essai concluant. Félicitations et bonne suite dans votre jeune carrière. Félicitations. Félicitations. Awacham, félicitations à toi et bienvenue dans la famille également. Merci beaucoup. On va aussi voir quelques images de Hawaï également. Nous avons nos trois. Ils étaient au nombre de 250. Casting qui era 250 des Nyonche. Donc au 250 là, moi m'intara au moins des Nyonche. Donc nous les meilleurs ou les meilleurs, il y a été fou.
Je suis Cham Awa, l'une des candidates à votre toute nouvelle émission New Star TV. Je suis très contente d'être parmi les candidates. C'est un grand plaisir et l'émission, c'est une très belle initiative pour nous, les jeunes journalistes. À propos de mon groupe, je suis dans le groupe B. Je suis très contente, voilà, c'est bien. Je trouve pas d'inconvénient là-dedans. On va très bien travailler ensemble, vu que c'est une compétition, pas la guerre. Donc, je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Pas dans mon groupe, mais je voulais inviter mon amie, mademoiselle Geneva Tina. Voilà, c'est elle que je voulais inviter. Mais alhamdoulilah, on n'est pas dans le même groupe. Donc, du coup, on va très bien travailler. Inch'Allah, on sera parmi les gagnantes. Inch'Allah. Comme si elle l'avait prédit. Oui. Hein? C'est pour dire que le travail bien fait n'est jamais perdu, comme on le dit. Jamais, jamais. Oui. C'était pas de l'espoir sur le vent. Hein? C'était vraiment basé sur ce qu'elles savent faire. Et félicitations à vous, mesdames. Marie-Tou. Oui. Qu'avez-vous à dire à, même si vous avez déjà dit qu'elle en famille qu'on en a là, elle reste au centre du groupe Renouveau. Exactement. Oui, exactement. Je voudrais, avec votre permission, alors laisser la parole à Issa Kaba pour donner, enfin, pour décrire un peu le groupe Renouveau, pour que ces jeunes dames, pétries de talent, comme je l'ai dit, hein, puissent se sentir effectivement en contact avec le groupe Renouveau et au sein même du groupe Renouveau. Comment ça se passe ici, sur la base de ce qui existe déjà, trouver des mots justes pour elles. Merci beaucoup, Marka Tchendaou. Comme son nom l'indique, c'est pratiquement le seul groupe de presse au Mali, complet. Un groupe de presse, c'est une structure composée de pratiquement tous les organes de presse. Nous avons notre imprimerie, une radio, des journaux, des télés aujourd'hui, des sites d'information. Donc, on est mieux placé pour donner l'exemple. Et bientôt, Renouveau Film. Hein, voilà, bientôt, Renouveau Film. Voilà, donc, le patron est avec nous. Une structure de production de films bientôt, c'est ça. Avec Nji. Donc, Aubora, Aukasso, Aounana Aukasso, c'est parce que, dans le contexte, nous avons eu le Aoudou, bien talent d'Obaoula, mais mieux que Nini. Pas forcément Kafoko Odebe Aoula. Le jour où celle-là a fait le portrait de Master Soumi, je l'ai dit ici, elle sera très bien pour présenter une émission de rap qui est très rare au Mali. Nema Moussouchie, comme son émission de rap présentée, mais elle a une prestation d'Okaya, non, pour une émission de rap. Il s'agit de Fantaya Traoré, Fantaya Traoré, c'est vrai. Que je vous demande d'applaudir. Hein. D'applaudir beaucoup. C'est ça. Cette dame au bout Maïmouna Keita a un talent fou. Elle, jusqu'à Fokassé Bima, moi je la voyais dans les trois premières. Mais je ne sais pas, final dont ce qui est arrivé, elle est un peu en dessous de ce qu'elle faisait auparavant. Je ne sais pas, Mimba Labi. Examen B au Tchugar de la Tento, le jour de l'examen, il y a un mot de nom, Mini Donia Bala. Mais tu as sur au don qu'il a été formé au jeu à l'examen quand je crois qu'on est dos sur bi qu'on peut expliquer et il faut le prendre avec philosophie et en gongonga même quoi ça va de ta bi à benani ou et moi ça va mon nom ou ka prestation nyana jury n'y est quoi bi au l'état ça n'a rien qu'à foco fermer rien du tout. Donc félicitations à vous aussi, félicitations à tout le monde. Renouveau, c'est une grande famille. Je parle sous le contrôle d'Antoine qui fait partie des premiers groupes Renouveau là yanno. Mukoka doro minya adam ne Renouveau là. Kafoka klala katafa mereka ne Renouveau mato badenya là parce que c'est vraiment une grande famille où tout le monde se côtoie. Bébé barakala kachao etien mais un bébé nyongondo stratama il faut être ikata Renouveau dengoluke robi akonyo yoro do là. Et Renouveau m'a dit que je n'ai pas été invité. Et Renouveau m'a dit que je n'ai pas été invité. Et nous, on a la chance. Kalo,
kalo kalo ko ñokona événement ke ta sura am bebe ñokon ci kata ñokon sura ka damne ñem ko baw la marka ci ndew kana fu gardien na am bebe ñokon ci kata dengul la moko do fen hal li ga carré ko no moko mabo et ça fait plaisir souvent moko munu be ni olu la ko donné do ina fon jin na ñokon ika carré ko no ji manati ka dengul ga yoro la dem sanu be to bul bul la ko e ko jifle jifle ça fait plaisir oui mai daga mai kanji mai kanji wal ma plaisir nu ñokon no lu tari ka dengul la plaisir tara ne ka dengul ga yoro la hal ne dengu be plaisir do ne dem fitine ngu be plaisir do ça fait plaisir oui. Donc vous venez de rejoindre cette grande famille tanau bala mais kudma chama be ala wa kelea ofene bala parce que nous on travaille ambik bara ke difficulté baw de konna la kuma do la qui n'ont rien à voir avec mais en rebe défi minti en rema souvent o de kelea o ye parce que on refuse amban ban fin do ma kuma do la faut me rob dobe ta anga pas jou ka an neni neni ka fin fo amma parce que ambe ban fin do de ma on tend vers le professionnalisme mo chi da falente mais on ba nyini ka da fa de na kera mo gomiri ka ke bini isiki antenne na ko do maja mu de wala sa war ka dima o te en fin no na kera mo gomiri ke bina kana ik wala kela do ta kando ke renouveau la o de te en fin no na kera mo gomiri ka foko ibe do so ro ko do la ke bini o de ke en fin no o ke ro te ya ense pourquoi pour moro la mo do be ani o lute nyoko fam. Donc vous venez de rejoindre une famille ou be kleni mais bara anga let motivé bara de bara bara ani bara o de la nyem ko ya so e danaya daneka koka nekana ou représenter mingra première et akan na fado fene kra mi ambe baraka ni bamana ngaye kochu ambe baraka ni bamana ngaye on a su que ame se ka utiliser au fene chamana. Donc félicitations à vous chef ya fo au munu to saba munu fene fleni restez à disposition au yoro do be no au na fabi se ka ke yoro munna au be do ye no au fin chama bien no chroniqueuse ou bien animatrice ou bien reporter ou bien fin ben bien no télé croix d'Elena a programme mafa amafa aldoni mokata doni marie tubina bambolo sanwere na mbaw dala kelenta kani émission y représenter. Pourquoi pas chef kababa se kake. Donc vraiment on les remercie, vous n'avez pas de mérité, vous restez dans la famille hein. Vous restez dans la famille. Je pense que Marietou, avec votre permission, si on pouvait leur donner la parole, juste pour nous dire un mot. C'est bon? Vas-y. Franchement, je remercie le groupe Renouveau pour cette belle initiative et je félicite mon ami Youma Diallo, Tina et Awacham. Tout le bonheur. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est tout en fait. Merci, merci. Tu veux dire deux mots? On reste ensemble, hein. Déjà que Maïmouna Ere, je sais que Dombaraya Douleni, Moro Tchamanche, groupe Renouveau, là, on a notamment Désiré, Altès et tout. Donc, tu restes dans la famille, d'accord? Félicitations à vous tous, on les applaudit, chef. Voilà, Mariam et Marietou, avec encore votre permission, Issa a parlé de Antoine. Beaucoup le connaissent par sa voix. Beaucoup également le connaissent par les émissions alors qu'il présente. Parmi ces émissions, il y a une émission très novatrice qui s'appelle Shariani Aoka Hake. Oui. Donc, avec votre permission, Antoine, si vous pouvez dire deux mots à ce public. Surtout à ces lauréates. Voilà. Eh, Margaté, ni Kabata Benekofe, Maurete Blue. Nimbara Mingra San Fin Chama Fora Allah. Ah, Nana Dubakono. Madame Nanuna Folo, Anuluma Gresega Soroka, Ken Nunta Nyoye, Kafoku, Gresega Tobe Kofe, Mseka Dauma, Akila Amena, Bekalodama Robo. Samedi dernier dofen de la kokoche ak la ketar kumbiaola o tama ko den bonga ani dofo sisa ya foto gomina minu fleni no lu nana do duba kono bi ambu foku wala nyumando isakaba tlala kuma bela na segi uka ka fo renouveau duba de renouveau bararoy nga ka faina fana mbalamso ko abete climide abete climatzeri mado akakala ne okafoga faraka
na ñoon ci ka ta suma so domi klika klay ah ibi r dur r woroke jole do ah yoro woro tobala ko chan abete climat zeri ako o blaw kuna kafo bara mindo ni ger se ka soro ka ke here bare do kuna fonti bara ni ger se ka soro ka ke here bado awa nere be maraka ce ko fe a bara la ka wonu fona me ko fe a bara la jen rewi ami fofo ñongo do ka fa ko be bismillah yanno ami to ñombulu ka barake jen rewi don don do dafa la ben me ala dron de la ami ñon dimé ka ñombulu mené ka donio sama ka ta sanfe ka ofu ka walu ñmando mama senu na naka damne kana bla fostana njire are nyem se amebi kusebe ka befu ofe me azizel Fatim Kabefu, Isa Kaba, Malikinu, Mariam, Momo Donala, Jamanga technician Bow, Munumet Dibila, Bulobe Butona, Kabela Jelefu, Kabewalin Mando, Kafo, Amedoke, Albelaka Shini Kenaudi, Kabarenji Damulo Katafa Libi. Margate, merci beaucoup. Maretu, Ire, Roma, Ibufu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Merci. 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 Maretu, je oui. crois qu'on ne va pas oublier Antoine Yafo, mm-hmm. Dibila Moko Dobe. Niyoroina, c'est le lieu vraiment de le féliciter. Mm-hmm. Il s'agit de Seydou Sissoko, alias Altes. Tonton Altes. Franchement, je voudrais qu'on fasse un banc pour Altes. Altes Kuna. Voilà, et également le lieu de féliciter Draman Aliou Kone, le PDG du groupe, mm-hmm. qui a eu cette géniale initiative de transformer ces concours de recrutement en émission. Oui. Je crois qu'il vous a rendu service, comme le groupe Renouveau aussi a su, en tout cas, porter l'initiative, l'idée, et la transformer à cette merveilleuse occasion. Mm. Voilà. Et sans oublier Mokhtar, qui n'est jamais là, mais qui est là. Voilà, même s'il nous joue, en tout cas, des faux bons. Oui. Donc, c'est le lieu, en tout cas, de le féliciter aussi. Il oui. travaille avec Altes oui. en parfaite symbiose mm. pour que tout se passe dans de merveilleuses conditions. Donc, la voix Adam Tangara, oui. Personne, en tout cas d'entre vous... On aurait voulu la voir aujourd'hui. La voir à Jésus. Vous avez juste entendu sa voix, mm-hmm. mais elle a vraiment travaillé d'arrache-pied mm-hmm. pour que ce jour soit. Oui. C'est le lieu également de la félicité. Oui. DJ Erwan, c'est celui qui chauffe la salle. Voilà, donc c'est le lieu vraiment de le féliciter, de le remercier, de dire également que le groupe Renouveau est fier de ce qu'il a fait, comme est fier et ce que tous les autres ont fait. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive au terme d'un processus, mais c'est une nouvelle étape qui commence. Hein, qui commence. Les finalistes, mettez en tête que vous avez battu alors, une vingtaine d'autres candidats. Voilà, mais il s'agissait de prendre. Mais je vous dis qu'on va vraiment rester en contact oui. et il y a des surprises qui peuvent venir. Vraiment. Oui. Encore une fois, merci et je me retire de la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chef. Aïe, mon grand fin, ton refossé sans amour, bel âge et l'info. On remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la bonne marche de cette émission. Amen, Juroufo. Vraiment, merci infiniment pour le temps que vous avez accordé. Merci pour toutes ces leçons que vous avez données à ces candidates. Merci Mariam, merci à nos invités, chef Antoine et puis monsieur Nou Konaté. On va faire l'info, mais il n'y a pas de bella de l'info. On a un plateau qui a djaranye koujou. Chers nouveaux membres de la famille, merci à vous également. Nous restons ensemble. Merci Erwan, merci Mariam. Et il m'est terminé. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a An ga kotigi wele an ni kotigi ka taso ñoon feke kotigi na an ga final ku ci ñoon fe. Merci à tout le monde, merci à vous également chers téléspectateurs. Amé rendez-vous di ñoon ma pour une deuxième édition, chef Kaba. Merci à tous. DJ Young Mo Easy on the track. Kono dini pilera kono bekan fo mago sa puluni a puluni
Konodeni kulega kona baga forma go sabuluni abuluni kaza bangolo kunu go wali bo bangu boy.